Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Abgé, si c'est la mission de mon tableau, traitement de l'usé, abgé essence verte, abgé piscine, abgé carré multisport, vraiment abgé espace commercial, la fabrique. Comme président national, même dans le coup résumé du projet, en Zandal. Ces mots et après la présenter pleinement qui là pour faire appliquer toute action, tout projet brésilien, ça travaille pleinement pour réaliser, pour peindre réaliser. C'est qu'à coordonner action gouvernement sans lui-même mise en avant pas qu'à faire. Alors, merci, je vais retourner encore pour l'intervention, pour la présentation, comme on a passé par là. À Madame Nicole Altidor, ministre des Affaires sociales, qui est ministre de tutelle. Merci. D'accord, merci DG Bisret. Donc, son excellence, Monsieur Joseph Jout, Premier ministre, Madame la directrice du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le directeur général de l'EPPLS, messieurs les responsables et les représentants de la PNH, mesdames et messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, mesdames, messieurs les participants, bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est avec le plus grand plaisir que je participe à cette cérémonie de lancement des travaux de construction des 600 appartements. Donc, au bénéfice de la PNH, au bénéfice des policiers, dont le directeur général, M. Yvon Bisret, qu'il y a 1,2 milliard de dollars pour construire le logement, pour 50 000 logements qu'on a presque fini de construire le pays. Nous faisons toute visite avec eux. C'est quoi la construction là, Delma 33. À proximité par les ministres, en face du commissaire Delma, à côté de Chalobin, terrain bon fil sous Pisla, et puis nous avons l'autre terrain encore, à travers tout ce débat géographique pays, que le président, gouvernement déjà déclaré l'identité publique, qui est à disposition pour pouvoir s'en exécuter. Toute visite est faite déjà. C'est démarrage de mal fait. Pays l'autre, brigandaille, instabilité, crasé brisé. Mettre barricade, tout le monde, mettre du feu, et bien tout investir ces arrières, il n'y a pas tourné. Parce qu'il n'y a aucun monde qui a vu investir dans l'instabilité. Et bien, c'est ça qui fait pour ça pour tout le temps. Sinon, nous avons des milliers de policiers, en serein infirmières, qui ont déjà mis le caillou déjà. Alors, je dis à là, nous démarrer, nous avons parti avec une vitesse de croisière, comme il se dit. Premier ministre met tout moyen à disposition pour nous avancer. Président même, il comme pas voulait parler de bonheur tellement qu'il devrait réaliser déjà. Eh bien, je veux dire lancer. Et comme je te dis, très bientôt, nous allons commencer à préparer le terrain de Delma 33, de Charlotte, pour la construire 600 appartements déjà. Comme Premier ministre se dira, son excellence vous ajoute, lui, son père de Bona, eh bien, qui fait. Et ce logement abordable qui a coûté policiers un petit l'argent et a un petit taux d'intérêt. Un taux d'intérêt qui va dépasser 6%. Et non, dans 6% pas moi, non, c'est comme le microcrédit à Bala, non, 6% non.
à 27 ans. Et comme dit, c'est une maison qui suit toute bande pour y avoir témoigné. Et pendant que ça a commencé, on a continué à l'autre projet encore. À travers le département, à travers Port-au-Prince. Son programme lié. Et nous dit que son révolution que le président, le premier ministre va le faire, n'a fait de logement en Haïti. Son révolution a fait. Et surtout, à fonction de public, à policier, à ses infirmières, président dit, qui a touché pour l'âge, et c'est réalité. Policier, ancien infirmière, il a travaillé très dur, mais il n'y a pas de moyens vraiment pour acheter un terrain pour construire un cabinet. Parfois, il habite dans un quartier précaire, vieux risqué. Donc, quel policier qui nous tombe, soit il peut avoir le travail, ou il peut avoir la caillou, parce qu'il n'y a pas de moyens pour vraiment faire une maison dans de vrais quartiers résidentiels, il est obligé d'habiter dans un quartier précaire, et bien laisser faire face avec un pot de bandit. Vraiment, qui sont en pile là-dedans. Eh bien, tout le bagage, président de la République, premier ministre, et bien, pour tout en compte, et bien, qui permet pour avancer avec le projet, ça, qui commence à continuer, et l'autre a fait encore. Alors, mais moi, dis-nous ça, et puis le monde a dit, c'est pas vrai, même policier, il a dit, c'est pas vrai, mais réalité, là. Pour la vie du caissé, ordre de bagaille, le ministre de l'Internationale officiel là, je veux dire, ce travail-là qui démarre. Et nous-mêmes, nous comme du président, si le projet s'est réalisé, nous mettons tout le pays d'Haïti. Parce que le policier n'a pas mangé, il a dit de la romantique. Parce que nous avons à peu près 9000 policiers qui inscrivent déjà. Et les policiers ont un compliment, mais ils ont inscrit, ils ont pris un lit, ils ont discipliné, ils ont mis le temps solaire pour inscrire, ça montre que bon soin. Et nous avons dit président ça. Eh bien, je veux dire, c'est une grosse satisfaction pour moi. Pour le président, pour le ministre, eh bien, pour le gars qui fait office là, travaille dans le domaine. Comme vous le savez, du moment de collaboration, tous les policiers, tout le monde en général, eh bien, pour permettre pour le projet avancer. C'est vérité, eh bien, pour le président de cette là, l'irréalité, que le projet a lancé officiellement, et Premier ministre qui l'a pour coordonner et tout projet, tout sa présence qui pour mettre une application pour rendre faisable pour réaliser, eh bien, lui-même, il va tout engagement, il met moi à disposition, il va continuer moi à disposition déjà pour pouvoir réaliser. Et lui cherche l'autre fois encore pour faire le projet. Parce que lors du projet, logement abordable, son logement qui va coûter 50 000 à 40 000 $, qui va coûter moins que moitié ça. Eh bien, tant que l'autre est venu se chercher pour nous, à travers l'autre institution, l'autre partenaire, qui pourrait nous faire plus qu'à nous. Premier ministre travaille sur ça, président travaille sur ça, et comme je dis, président de là, 1 pour 2 milliards $, tout va finir à régler, pour pouvoir démarrer, débrouiller, craser le pays, mettre du feu, payer l'autre, monter la barricade, eh bien, investir à l'élé et pas tourner. Si je dis mal qui fait payer, mais ça, dans le projet, ça, dans le pays, c'est à faire payer l'autre là, qui me classe le pays, comme ça, c'est politicien, mais vraiment, si on analyse, calculer les dégâts qui fait dans le pays, ça, même si on apprend, on a 25 ans vraiment, bac le fait. Et commence, même le projet, ça, qui nous a piloté, nous a mené. Alors, encore une fois, nous remercions le président qui fait un pile effort, qui te quoi dans le projet qui peut être réalisé, Premier ministre, continuer, travail, ministre des Affaires sociales, là, qui peut être nourri là, je dis, et sans oublier l'équipe de l'EPPLS qui travaille en pile. Nous avons directeur de planification, nous, ingénieur Jean-Philippe Edouard, nous avons Mère Pierre, nous avons ingénieur Régine qui là, je vais citer tout le pour éviter la jalousie, tout l'autre ingénieur Galé, qui travaille en pile. Ministre des Affaires sociales, là, groupe Carré City là, qui n'a pas découragé, il est là depuis 3 ans de travail pour pouvoir sa atterrir. Il y a tout le monde qui est là, il est résisté, il est là. Je veux dire, nous disons à tout le monde merci et encore une fois à président de la République, là, Premier ministre, ministre des Affaires sociales, là, l'équipe pour pouvoir se réaliser. Je veux dire, son fierté pour moi, pour pouvoir ça qui lancer. Et je pense que moi,
Il était senti diminué parce que le projet a pu être démarré. Il devait manquer respect dans la police et dans l'ARIA. Mais je veux dire, je pense qu'il y a pour vraiment, il y a vraiment respect encore. Et même tout, il y a pour sa présidente dit, c'est vérité, pas de bloc. Et nous dit encore, merci à nous tous là. Nous avons continué la présentation. Et puis, pour finir, nous avons une explication par lui et dans la technologie, etc. Merci. Oui, la présentation technique continue jusqu'à avant que le PM ne mette le PM dans la seconde. Executive for Cave City Developers and Western Forms. It gives me great pleasure here today to introduce a technology from Western Forms based in the United States of America to commence in Haiti. This project of 600 apartments for police officers we would be constructing would allow the citizens modern standards of living at extremely affordable rates for a better quality of life. Bonjour tout le monde, moi c'est Frida Ponkinson, exécutif international pour Western Farm et Cave City. Je dis à c'est un grand plaisir pour nous capable d'introduire la technologie ça, qui Western Farm développé pour commencer en Haïti. Projet ça pour construire 600 appartements pour policiers, à permettre à ce que nous capables d'avoir un niveau de vie moderne avec un prix abordable pour une meilleure qualité de vie. Western Forms technology involves the manufacturing of aluminum concrete forms for cast and plains concrete walls. This technology is used in over 55 countries for building concrete foundations, concrete housing, commercial concrete projects, and a wide variety of precast concrete applications. Technology ça consiste en un coffrage qui fait en aluminium qui permet de faire mieux en béton. Et l'utilise dans plus que 55 pays pour fondation caille, pour faire caille, pour faire bâtiment commercial et l'autre variété de construction que vous faites avec béton préfabriqué. The technology involves aluminum concrete wall forms, which is faster, lighter, and lasts longer than other comparative forming systems in which they normally use to build homes. Technologie ça les plus rapide. Les plus légers et les durer plus temps que ça nous compte utiliser coffrage nous compte utiliser pour nous faire. Western Forms has started this technology since 1955 and has since then has developed methods and measures to ensure value while also helping countries reduce project cycle times and labor costs for their housing projects. Western Forms always provide continued leadership through their professional and innovative teams who are dedicated to quality work on every single project. Western Forms développé technologie ça en 1955 et depuis ça li vini avec méthode et mesure qui permettent li assurer valeur li pendant la aider pays yo capable économiser temps ak l'argent lorsque yo utiliser technologie ça. The concrete construction industry experts all agree on one thing. Western Forms help reduce construction schedule by as much as 30 to 50%, which means the houses units built in Haiti would be done 50% faster than regular construction processes. Experts in construction, you're tout d'accord sur un seul bagage que Western Forms les développer une technologie qui permet à ce que vous capable de réduire tant construction faite de 30 à 50%. Ça veut dire que ça, construction ça, vous allez faire en Haïti, avoir 50% de vous à faire plus vite que temps normal nous te faire pour nous construire. Western Forms produces the most advanced aluminum forming systems and provides the most knowledgeable aluminum forms experts in the world. The government of Haiti would be saving more time and more money with this technology for building houses than any other concrete forms.
Over 500,000 housing units are built annually with Western Forms in over 50 countries all over the world. Western Forms, li genyen teknoloji ki pi avanse nan kofraj, e li gen expert ki pi kompetan nan domen sa. Li utilize nan plus ke 550 peyi, e fè plus ke 500,000 konstruksyon chak ane. Gouvernement haïtien l'a gagné, l'a économisé temps ak l'argent lorsque yo utilisé technologie ça pour yo construire. Thank you. Merci. Nous avons fait OBM parce qu'il s'agit d'une cérémonie de lancement. On a eu les détails techniques. On a eu le contexte de la réalisation de ce projet très ambitieux, comme je le disais tantôt. Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le PM à conclure pour nous. Merci beaucoup. Semaine passée, moi, voyons une image sur les réseaux sociaux. Il y a une dame qui a plein. Nous pensons que c'était une densité soleil. Que de l'eau rentre la caille, les mouillettes s'y mangent. Et bon, tout qui est avec un bouquet de cap, voyez de l'eau dehors, mais devant porte-là, il y a deux rangées blocs. Hauteur en bloc, c'est 15 cm. Ça veut dire, il y a entre 30 et 40 cm qui bouchent porte-là. À tout ça, de l'eau à rentrer. Mais, ça te fait mal, je garde le cap crié, mais l'homme sorti en dehors, nous avons 11 ans. Nous avons pile zami en dans Cité Soleil, parce que Cité Soleil, pas un repère de bandits et de vagabonds, je ne viens de dire. Ça veut dire, nous avons allé dans Cité Soleil tout le temps, à l'ouest en mime, à jouer boule. Ensuite, moi, j'étais venu directeur factory, l'homme d'un grand monde, ou bien j'étais jeune tout. Tout client, tout le monde qui t'a travaillé dans la factory, toutes ces cités soleil, j'étais. Baptisant pile petit en dans cité soleil, qui probablement mourit déjà parce que la misère tuée. Je suis sûr qu'un pile là-dedans, on était dans la gang tout, bon, la vie gang. Mon qui entre dans la gang, qui entre dans le fait mauvaise affaire, la vie coûte. Probablement, je finis perdu toute filleule déjà. Mais, le fait qu'il rappelle ça, c'est pour dire que le problème logement, que ce soit dans Port-au-Prince ou dans notre pays, il n'a pas commencé semaine ça. Il va commencer depuis 3 ans, ni 5 ans, ni 10 ans. Ça veut dire, moi-même, je vis pas ça dans Port-au-Prince depuis une quarantaine d'années. Moi, ça, c'est moi, alphabétisation. En pile, monde comprenne que c'est monde qui ne connaît pas dit tout qui besoin d'alphabétiser. Non. Moi, même en tant que premier ministre, je dis, moi, besoin d'alphabétiser. Dans pile, l'autre domaine. Par exemple, technologie, ça, nous ne connaît pas en Haïti. Nous besoin d'alphabétiser pour lui. Nous besoin d'alphabétiser tout. Sur le plan politique. Parce que j'en ai fait politique là, c'est plus mauvaise façon. Nous avons doctorat, nous avons maîtrise, nous avons master, nous avons ceci, nous avons cela. Pas de problème, nous avons un gros diplôme, licence, tout ça. Nous avons besoin d'alphabétiser toujours parce que j'en ai mal fait politique, j'en ai fait là, comme ça. L'autre, il fait politique. On garde sur nous. C'est pour ça, moi-même, ingénieur civil de profession, nous allons fournir, je vais me garder pour me copier technologie, pour me travailler, même j'en veux. Parce que le tremblement de terre a passé, mais selon l'expérience, il y a 27 millions ou 27 milliards de dollars, on ne pas songer qui s'altèrent exactement, qui investissent dans la construction en Haïti. Donc, qui construction attend? Là, on a gardé jalousie. Nous avons un pile cop qui dépense là. Nous avons gardé Canaan, un pile l'argent tout dépensé là.
La troisième circonscription de Port-au-Prince, grand pile l'argent dépensé là. Mais sans le respect des normes. Projet ça, je viens de dire à tout le monde dit son rêve. Mais c'est le monde qui bien dormi qui rêve. Faut bien dormir pour rêver. L'on perd du temps, on en fait des mosaïques toute la journée. Ou pas de temps pour réfléchir, pour gagner rêve. On fait cauchemar, ou pas de rêve. Si pas de grand monde fou, il y a un monde qui t'a rêvé sous la terre, la tour Eiffel en France pas t'a existé, je dis. La ville de Paris pas t'a existé si pas de grand monde qui t'a rêvé. Si pas de grand monde qui t'a bien dormi, la ville de New York pas t'a existé. Dans pile infrastructure routière qui fait à travers le monde, c'est des mondes qui rêvent, qui ont une grande vision, qui ont un gros bagage, ou qui doit pas l'argent pour faire ça, ou pour faire. Mais il faut avoir une grande vision de la vie. Pour comparer avec mon Dieu, que c'est mettre l'univers, si monsieur ça n'a pas de vision, nous ne pas exister en tant que monde. A vrai dire, bon Dieu rêve chaque fois. Je suis content que nous lançons ce projet là. Je demande le président pour lancer le Liban dans quel poste de premier pays à monde, c'est pour mener à le visiter chantier. Là maintenant, la firme, tout à fait dans le monde. Thème là, plan là, comme là, nous avons 10 mois pour remettre caillou par les policiers. Et nous commençons avec les policiers parce que. C'est un plus gros besoin pour le moment. Mais pas dit, non, la population n'a pas besoin de logement. Chaque monde là, il y a un petit bout de caille loué que l'a payé en dollars. Il faut que l'acheter dollars pour la payer en caille. Ça veut dire, la paix de l'argent de tous côtés, ça veut dire, nous avons besoin de tout pour alphabétiser nous sur le plan financier. Nous avons besoin d'alphabétiser nous, comme moi c'est alphabétisation, moi je parle de l'INET pour tout le reste. Il faut que nous alphabétisions dans l'économie pour nous connaître des gens qui ne vivent pas. Et comme son lancement pour les policiers, moi souhaitais que les investisseurs soient d'accord. Moi espérais que tout Haïtien a mis tête ensemble pour mettre le climat politique qui avenant, qui m'a demandé de venir la caille nous. Parce qu'ils ont envie de visiter nous. Diaspora haïtienne qui a gardé la caille. Ils ont souffert en pile le fait qu'ils n'ont pas venir la caille. Nous-mêmes qui, là, malgré la situation, nous pas bon, mais nous aimons le pays nous. Parce que nous connaissons en pile monde là qui n'ont pas prêté si vous n'êtes pas fou pour Haïti, si vous n'êtes pas de rêve pour Haïti. Chaque monde là, je pense, il y a un visa. Si ce n'est pas Chili, c'est Dominicain. Si ce n'est pas Dominicani, c'est Canada. Si ce n'est pas Canada, c'est Argentine. Chaque monde là a un autre choix. Mais nous avons un grand choix qui est sûr, ce pays d'Haïti. Et je compte sur les policiers, tant pis. Bail, construction, sécurité. Moi, besoin que la police a le fourni, j'ai gardé ça qu'a fait là. Visiter chantier ou régulièrement. Moi, besoin des groupes policiers à entrer dans le chantier toute journée pour aller garder la construction qu'a fait là. Accompagner la population, moi, tant pis. Nous, même population, fait confiance à la police. Backup policier. Camper red de la police nationale là. Parce que pour le moment, c'est seule force nous gagnons qui pour garantir la sécurité dans le pays. Moi, de nous aimer, respecter, le nom policier, c'est pour nous connaître que nous avons des amis, nous avons des gens qui perdent une nuit, qui baillent tout avenir. Moi, je suis un policier qui a 25 ans dans l'institution policière. Là. Pour nous faire 25 ans sous tension, ça, moi, là, sous pression politique, ça, dans mauvais la vie, ça n'est pas bon. On sorte de petits cadres que nous obligés de bailler. Nous pas satisfaits de ça, nous bailler là. Mais je m'apprends de nous prendre patience. Parce que si nous mettons sécurité dans le pays, investissement a venu, jardin dans la Tibonite a commencé à fleurir, parce que nous tout abandonné pour rien. Parce que les bandits dans la Tibonite mettent tout le monde dans son terre. Nous même dans CSPN, nous avons travaillé pour ça. Sous le bouchon, nous ne sommes pas responsables. Mais nous sommes bien contents pour être avec nous en santé pour aider à construire le pays.
Merci en pile. Voilà, un grand merci au PM, un grand merci à toute l'équipe, au ministre, à l'EPLS, au secrétaire général, au chef de cabinet, à tous les responsables policiers, et un grand merci à la presse qui a été présente avec nous ce matin. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.